Hey, salut! Ah merde, le micro, putain! Mais je me disais aussi que j'avais oublié un truc, merde! Bonjour! Bonjour à tous! J'espère que vous allez tous très bien, car aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Et les amis, aujourd'hui, on se retrouve avec près 4 gros mois d'absence sur YouTube. Alors très simplement, je vais expliquer très rapidement ce qui s'est passé et pourquoi je n'étais pas là pendant ces 4 mois. Faut savoir que j'ai eu une fin d'année 2018 très compliquée et pour faire très bref, j'ai préféré être en famille pour passer cette étape difficile de la vie plutôt que de faire des vidéos en pleurant, hein, littéralement, ce qui est assez compliqué et pas forcément très agréable à écouter. Mais du coup, tout va beaucoup mieux désormais. On est en février et les choses ont beaucoup évolué. Et aujourd'hui, je vous retrouve enfin après 4 mois d'absence sur YouTube, et on est là pour un petit épisode de LSPDFR dans la peau des unités de la gendarmerie. Et les plus perspicaces d'entre vous, et je prends l'accent du sud, c'est pas pour rien, auront remarqué qu'on n'est pas sur la carte de Los Santos, on n'est pas sur le LSPD normal, là il y a un truc, il y a une couille, il y a du pastis dans l'histoire. Alors du coup les amis... Actuellement, nous sommes sur une carte qui s'appelle French Riviera. Et alors, French Riviera, ça veut dire Côte d'Azur. Et en fait, très simplement, ce n'est pas une blague, on est sur la Côte d'Azur dans GTA. Alors, pour la petite anecdote, c'est une carte modée donc, qui a été créée par 930, qui à la base était faite pour GTA 4. Et en fait, c'est GTA Random qui l'a converti pour GTA 5 et y a ajouté des intelligences artificielles, histoire qu'on puisse y croire un peu plus. Et, truc incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on va faire cet épisode sur cette carte. Et je pense que ça peut être vraiment très marrant, surtout que les IA ici sur cette carte sont totalement pétés comme dans le vrai sud de la France. Et je me permets de dire ça, hein, tous les sudistes, puisque moi aussi j'habite dans le sud de la France et je sais qu'on est un peu des dingos hein, dans le sud de la France, on conduit un peu bizarrement par moment. Hein. Et du coup les amis, pour commencer cet épisode dans la meilleure des manières, je me suis fortement inspiré de la vraie vie, puisqu'il faut savoir que dans la vraie vie, les gendarmes sont équipés, ou vont être équipés très bientôt, de cet équipement, voilà, qui permet tout simplement de remplir des contraventions très simplement. Il s'agit d'un jetpack et voilà, donc bientôt tous les agents tous les ASVP, tous les agents de la police municipale vont pouvoir mettre des contraventions en jetpack, ça va être vraiment très pratique et ça va leur changer la vie. Pas du tout, hein, je dis de la grosse merde. Plus sérieusement, j'ai décidé de prendre ce jetpack pour commencer la vidéo, tout simplement parce que je voulais vous montrer ce à quoi ressemblait la carte vue vue du ciel, parce qu'elle est vraiment très belle. Et pour la petite anecdote marrante, faut savoir que cette carte, elle sort pas de nulle part, elle vient à la base d'un jeu vidéo, d'un autre jeu vidéo qui s'appelle Grid 2, qui est en fait un jeu de voiture, et en fait il y a pas mal de courses dans ce jeu qui se passent justement en France, et ça se passe sur la Côte d'Azur, et en fait, bah en gros, 930 l'a converti pour GTA, et je trouve que le rendu est vraiment magnifique parce que la carte est bourrée de détails, enfin genre vraiment, il y a des détails partout, il y a des PNJ qui marchent dans les rues, bon là il y en a peut-être pas des masses ici parce que voilà les gars il fait un peu frais dehors, bon du coup il y a pas grand monde, mais voilà, normalement il y a des gens qui marchent dans les rues et tout, et c'est vraiment stylé. Et donc du coup, nous ce qu'on va faire pour bien commencer cet épisode, c'est qu'on va prendre le contrôle de cette voiture, qui est donc très simplement une petite Renault Mégane RS, une voiture que les vrais gendarmes possèdent pour les unités rapides d'intervention, donc en général on trouve ces voitures sur les autoroutes, et donc cette voiture a été créée par le très talentueux Aurel, qui est donc un modeur français. Faut que j'arrête de prendre l'accent du sud, parce que les gars, moi je suis du sud, et j'ai pas l'accent normalement, ok. Donc voilà, donc on va prendre cette petite voiture qui a été créée par Aurel, et alors pourquoi j'ai pris cette voiture? Pour un détail insignifiant, mais qui pour moi fait toute la différence, c'est ça. Suivez-moi, gendarmerie. Et c'est écrit avec l'accent du sud, hein, littéralement. C'est pour ça que j'ai vraiment kiffé. Et donc du coup, voilà, donc on va partir. Je vais me mettre disponible pour les appels. Alors, je vous préviens immédiatement, je suis devenu un énorme noob dans GTA globalement, mais surtout dans LSPD. J'ai dû passer littéralement... Non, on va pas prendre l'intervention, moi je suis pas prêt les gars, je veux commencer tranquillement par un contrôle routier. Donc oui, faut savoir que j'ai joué pendant 2-3 heures, histoire de reprendre un peu les bases du jeu. Et en plus, le truc de fou, c'est qu'il faut savoir qu'il y a LSPDFR 4.0, qui va être 0.4, qui va très bientôt sortir, si ce n'est peut-être qu'il est déjà sorti au moment où la vidéo sort. Mais enfin, il y a beaucoup de choses qui vont arriver pour GTA et LSPD très bientôt, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Donc à l'heure actuelle, voilà, je suis sur GTA 0.3.1, hein, pour ceux qui pourraient arriver sur cette vidéo quand 0.4 est sortie. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va sortir bientôt. Normalement, c'est censé sortir pour février, donc ça va pas tarder. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement... Monsieur, alors calmez-vous, je veux juste faire un petit contrôle de routine. Donc on va se remettre en bouche. On va faire un simple contrôle de routier, hein, les routiers n'ont pas de souci avec, j'ai pas de problème avec les routiers. On va appuyer sur cette touche là, on va lui demander de me suivre, et là regardez, je vais écrire « Suivez-moi, gendarmerie ». Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est que... Ah c'est compliqué, le problème c'est qu'il y a
ce qui est un problème, mais je trouve ça vraiment stylé, c'est que comme on est actuellement sur la Côte d'Azur, donc je crois que l'endroit où on est actuellement, c'est une route qui relie l'Italie à la France, donc du coup on n'est pas très loin de Monaco et tout, et en fait comme dans la vraie vie, enfin pour ceux qui ont déjà pris la route, vous allez tout de suite vous y retrouver, c'est le bordel, en fait on peut quasiment pas s'arrêter sur les côtés, on est sur des bords de falaises, donc c'est un peu compliqué, et là je sais pas du tout où est-ce que je vais pouvoir faire mon contrôle. Bon, vous savez ce qu'on va faire, je pense que je vais me la jouer un peu YOLO. Mais plus personne n'utilise le terme YOLO en 2019, faut que j'arrête. On va s'arrêter là. C'est totalement au bord de la route, c'est très inconscient, mais c'est pas grave. Ah d'abord, je sors de la porte sans ouvrir la portière. Ah ça, c'est l'effet du pastis. Hein. Ah ça on est beaucoup plus réactif dès qu'on prend du pastis. Alors, bonjour madame. Bonjour ma petite dame. Alors écoutez, passez-moi vos papiers s'il vous plaît. Alors je vous arrête sans aucune raison. Alors est-ce que vous avez... Vous voulez poser des petites questions. Alors, est-ce que vous avez quelque chose d'illégal dans le véhicule? Ok, parce que sache, monsieur l'officier, est-ce que vous avez bu autre chose que de l'eau, évidemment. Ah d'accord, monsieur, madame, vous voulez votre avocat. On va faire un test d'alcoolémie très rapidement. Est-ce que vous avez pris des drogues dans les heures passées? Ah d'accord, vous n'êtes pas... Oh là là, d'accord, alors madame, elle va avoir... Oh là, d'accord, on va faire un petit... Vous savez quoi? Je vais arrêter de vous poser des questions. Je vais très simplement vous faire un petit test d'alcoolémie. Moi, il faut que j'arrive à parler correctement. Madame, s'il vous plaît, soufflez fort là-dedans. Voilà, alors, donc là on est en train de faire le test d'alcoolémie. Quoi? D'accord, elle veut son avocat alors qu'elle n'a pas bu. Ok, alors c'est peut-être la faute au cannabis, on va faire un test, tout simplement, un dépistage de cannabis. Voilà, me souffler là-dedans, bien fort, hein. Allez, on souffle. Et le résultat, il est... Quoi? Mais elle me troll, genre elle veut répondre à aucune de mes questions, sauf qu'elle a rien à se reprocher. Oh, celle-là, c'est une dure à cuire. Je vais lui demander si elle est contre... Ok, d'accord, elle est pas contre l'idée que je fouille dans son véhicule. Alors, je vais m'empresser de le faire, parce qu'elle m'a agacé, et moi, faut pas m'agacer. Donc voilà, je vais fouiller dans tout le véhicule, et on va voir si on a des choses à trouver. On va laisser notre très cher agent faire ça. Alors, non, faut pas que tu fouilles le 4x4, faut que tu... Tu vas où, là? Qu'est-ce que tu... Mais y a rien à trouver sur... Excusez-moi, monsieur, c'est la chaleur, c'est les insolations avec le soleil et tout ça. Qu'est-ce que... Eh, mais pourquoi tu t'éloignes? Et c'est... Alors là, je vous jure, hein, c'est pas moi, la manette, là, j'ai posé la manette, juré. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, alors les gars, c'est... Alors, ok, donc qu'est-ce qu'il a trouvé? Donc là, un iFruit 7T, ah ouais, c'est les nouveaux téléphones, c'est génial. Un pistolet à eau et un sac de marijuana. Intéressant. Très bien, alors je vais l'arrêter parce qu'elle a un pistolet à eau, évidemment. Donc elle a un sac de marijuana, alors on va saisir le sac, évidemment. On va lui demander son identité, parce que depuis tout à l'heure, la nana, on lui pose des questions, mais on sait même pas comment elle s'appelle. Elle s'appelle Ashley Hunter, elle est née en 95, ça semble correspondre. On va faire un check rapidement, un check de plaque. Et le gars, il va se calmer juste là. Merci beaucoup. Ashley, est-ce que vous êtes à jour? Vous êtes de quelle région, Ashley? Attendez, je voudrais passer aux yeux de ma vue. Vous êtes de Paris? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que vous faites sur la Côte d'Azur? Vous êtes une touriste? Alors, par contre, tu veux pas me donner... le central veut pas me donner la plaque? Voilà, la Blista 01EMW639. On est OK sur la plaque. Il n'y a pas d'erreur sur la transmission. Une voiture de 2005, elle a aucun flag, donc elle a rien à se reprocher. Ok, elle a juste un sac de marijuana. Alors on va saisir... Alors, IRL, j'avoue que je sais pas comment ça se fait. Ouais, pardon. Donc on va saisir le sac, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire une amende. Ouais. Ah, on pourrait l'envoyer. D'accord, on va lui faire une amende. On va lui retirer 3 points de permis, parce que je suis vénère. Et on va mettre 5000... Non, peut-être pas 5000$ d'amende, c'est quand même... C'est un peu salé, quand même. On va mettre 135€. Parce que c'est bien. Et ça va dans ma poche directement. Allez, madame. Tac. Comment ça se passe? Putain, ça fait... Eh, les gars, madame, je suis désolé, ça fait longtemps que j'ai pas touché à tout ça. Qu'est-ce que... C'est bon, je te fais le ticket. Très bien. Alors, madame Ashley, vous allez tout simplement devoir payer 135€ parce que vous avez de la marijuana dans votre petite blista, et ça va pas le faire. Et faut que j'arrête avec l'accent du sud, hein. C'est terrible, vraiment, faut que j'arrête. Je ne veux agacer personne avec cette idée, mais je trouve ça marrant. Avec des potes, on s'amuse des fois à voir l'accent du sud. Voilà, maintenant, madame, vous avez votre citation, vous êtes libre de repartir, ne m'écrasez juste pas, ça sera gentil. Drug runner, mais on prend l'intérim immédiatement. Alors, je vais juste couper mes gyrophares, parce que le mec n'est peut-être pas censé savoir qu'on le poursuit. Ok, c'est cette Ford là, Ford GT. Ok, on va faire un demi-tour tout à fait discret. Pardon, excusez-moi. Ok, pardon, c'est... What? Mais qu'est-ce que tu fous, toi? Ok, tout va bien. Cette Dominator, du coup, transporterait de la drogue. Donc, en fait, c'est un go-fast. Le truc, c'est qu'il sait pas encore qu'on va le poursuivre. Enfin, qu'on va essayer de l'arrêter. Donc là, pour le moment, il est juste en train de flipper parce qu'il voit une voiture de flic derrière. Mais on va immédiatement calmer le suspense. On va lui demander de s'arrêter. Monsieur, madame, je sais pas qui vous êtes à bord. Ok, le suspect s'est arrêté. Ça a l'air de bien se passer, pour le moment.
Donc en gros là c'est les caméras de surveillance qui ont détecté, ils sont deux à bord, ok. C'est les caméras de surveillance qui ont détecté que la voiture avait... Ah d'accord, ok, donc unable to detect, ok. Donc ce que je vais faire c'est que je vais... Putain, on va devoir faire le contrôle au milieu de la route, ça va être folklorique, on va s'amuser. Bonjour, excusez-moi, mesdames, vous êtes deux dames, enchanté. Alors je passe par la vie de passager parce que je ne suis pas, je n'ai pas envie de mourir. Je vais vous demander vos papiers s'il vous plaît. Putain, ça va mal tourner, j'en étais sûr. Quoi, mais d'où t'as un taser? Oh putain, j'avais totalement oublié ces conneries. Ok, j'avais totalement oublié que les gens sortaient avec des tasers dans le sud de la France. Ça, par contre, c'est pas normal. Ok, donc normalement, elle va larguer des paquets de drogue sur la route. Putain, je sais plus comment allumer les gyrophares, les gars. Ok, elle est là. Très bien, je vais appeler des renforts. Putain, c'est terrible, je ne sais plus travailler, je ne sais plus faire mon travail. Je vais appeler les air support. Bah évidemment que j'ai cancellé le traffic stop. Oh, elle vient de larguer des billets, là. Elle a largué de la thune. Je sais pas, c'est pas censé être de la drogue. Alors, madame. Oh putain, le collègue veut sauter. Hein. Le collègue en a marre de vivre, il veut sauter du pont. Ok, mesdames, arrêtez-vous. Ok. Les gars, je panique un tout petit peu, mais ça va, pas trop. Sortez de la voiture, madame. Sortez de la voiture. M'écrasez pas, madame, messieurs, dames. Sors de la voiture, par contre, tout de suite. Tu sors pas de la voiture? Ok, madame, ça va bien se passer. Qu'est-ce que tu... D'accord, tu es sorti de la voiture, mais tu m'as largué un énorme paquet. Genre, c'était pas dans ma voiture, donc c'est pas à moi. C'est ça que tu vas me faire ce coup-là. Très bien, hop, vas-y, mange-toi ton siège, c'est génial. Ok, madame, vous êtes en état d'arrestation pour largage ridicule de paquets de drogue sous nos yeux. Vous appelez Carly Red. C'est sympa comme nom de famille, ça, madame Red. Du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ouais, bien sûr que j'ai trouvé de la drogue. Bah, je viens d'en récupérer, hein, super. Je viens de récupérer de la drogue, très bien. Et normalement, il y a d'autres paquets un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Ah ça c'est un collègue, je le connais, il est pressé. Il a une intervention, un peu plus loin et c'est normal, c'est Roger. Hein. C'est Roger, il est un peu pressé souvent. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps quand on faisait des épisodes en France, ça partait quasiment systématiquement en couille. Donc je pense que cet épisode ne va pas déroger à la règle, les épisodes français se passent très souvent bizarrement et ça part dans tous les sens. Ok, donc j'ai trouvé de l'argent et de la drogue, je pense que c'est le cocktail parfait pour envoyer ces individus en tôle. Donc c'est ce qu'on va faire, moi je vais pas vous le montrer parce qu'en gros là il va y avoir une séquence où on va passer au tribunal. Je vous retrouve dès que la séquence au tribunal est terminée et que ces individus ont été emmenés en prison, je vous dirai les peines qu'ils ont encourues. Du coup, à tout de suite. Ok, alors, comment vous dire ce qui s'est passé il y a 30 secondes? Bah je vais pas passer par 36 000 chemins, le jeu a crashé. Du coup, bah c'est triste, hein, mais on n'aura jamais la réponse de ce qui est advenu de notre très chère Madame Red. Je sais que le cliffhanger était énorme, mais on n'aura jamais la réponse. Donc du coup, j'ai redémarré le jeu, on se retrouve maintenant donc au niveau d'un petit poste de gendarmerie. Et bah il fait nuit, et la météo a drastiquement changé, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. je n'ai pas du tout changé la météo, pour qu'il y ait de la neige. Du coup voilà, donc actuellement on est dans un environnement drastiquement différent. On est toujours sur la Côte d'Azur, ne vous méprenez pas. Sauf que voilà, il y a une tempête de neige, ainsi que de la neige au sol. Je pense que ça peut être très intéressant, surtout sachant que bah, quand il y a de la neige dans GTA, ça glisse beaucoup plus, donc ça va être assez rigolo de nous voir galérer comme des galériens. Et vous le voyez, hein, mon personnage, lui, vraiment, il a... C'est un petit peu un fifou, parce qu'il est en t-shirt en plein milieu de l'hiver, lui, il a pas peur, hein. Lui, il a peur de rien, on en a vu d'autres, hein. Il a fait la guerre. Donc, on va prendre ce petit véhicule pour commencer la patrouille. Alors, calmez-vous, je sais, c'est pas un véhicule de police, je ne deviens pas totalement miro. En fait, on va utiliser ce véhicule pour transporter cet élément qui est juste ici. Il s'agit d'un petit radar mobile, avec un magnifique doigt d'honneur dessus, histoire, en fait, qu'on puisse avoir des contrôles de vitesse qui soient faits automatiquement par ce dispositif. Alors, vous inquiétez pas, hein, le jour ne devrait pas tarder à se lever, il est quelle heure, là? Il est 5h10 du matin, donc tout va bien. Et donc voilà, donc il s'agit d'un petit radar mobile qu'on va emmener tout simplement dans un spot que j'ai bien défini, puisque c'est aussi là-bas que nous attend notre futur Mégane. Et pourquoi on n'emmène pas le radar avec la Mégane? Et bien pour une raison extrêmement simple, mais tout le monde n'y aura pas pensé, c'est parce que les Mégane de sport qui sont censés faire des courses-poursuites ne sont pas équipés de boulets d'amarrage. Donc du coup, bah c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, on va se mettre disponible pour les... appels, mais normalement on va en accepter aucune, parce que en principe, je suis pas dans un véhicule de police, donc je suis pas en service, et puis je pense que ça peut être une galère assez certaine que de faire une course-poursuite avec une putain de remorque à l'arrière, mais pourquoi pas. Donc voilà, on est en train de partir sur la zone d'intervention, et what? Tout va bien. Putain, waouh, d'accord, la remorque fait dévier mon... Waouh, ok, d'accord, c'est horrible. Je pense que vous comprenez pas ce qui m'arrive actuellement à l'image, mais en fait, quand la remorque part à droite, elle fait partir mon 4x4 à gauche, c'est terrible. Ok, bon, c'est pas bien important, puisqu'on est... Putain, je conduis, mais tellement comme un ouf. Ah, je conduis comme ça aussi, IRL. Donc, on est arrivé sur le spot... Putain, mais c'est quoi? J'ai l'impression d'être poussé par le vent, c'est terrible. Alors, on va mettre la...
Non, je prends pas l'intervention, excusez-moi. On va mettre le radar en position. On le décroche. Et nous, on va garer le véhicule juste en face de ce magnifique hôtel. Voilà. Et donc, du coup, on va prendre notre voiture qui se trouve normalement juste à côté. Et donc, avant de partir avec la voiture, ce qu'on va faire... Alors, la voiture, voilà, elle est juste là. Ce qu'on va faire avant de partir avec la voiture, qui est donc une nouvelle Mégane RS, c'est qu'on va très simplement faire des petits contrôles de vitesse. Puisque nous sommes équipés dans la gendarmerie nationale de la région PACA de petits systèmes de détection de vitesse. Alors faut savoir que la limitation ici est 7 à 50 km/h. Donc voilà, on va voir ce qu'il en est. On peut faire donc voilà, on peut faire des checks de vitesse. Donc là on a une FQ2 qui roulait à 43 km/h. Cette voiture là, c'est une, je vais réussir à la viser, une stanière qui roule à 43 km/h. Ici on a une autre FQ2 qui roule à 20, 30. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que 40 km/h? Non, ok, ça va. Quoi? Poursuite, enfin! Ok, on prend ça direct. Je me suis dit qu'on allait peut-être suivre le FQ2, mais en fait, non, là, on va faire la poursuite armée. Alors, je pense que je vais regretter mon choix, mais... Ah oui, il y a un hélicoptère sur l'inter. Alors, par contre, ça se passe où, là? Ça se passe tellement loin. Excusez-moi, police. On se pousse. Poussez-vous. Allez, les gars, bougez. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Les gars, bougez. Bougez vos fesses. Putain, mais c'est quoi ces gens? Les gars, vous voyez des gyrophares? Vous vous décalez, peut-être, non? Putain, c'est tellement incontrôlable avec les... Oh, quelle horreur. Avec la neige, c'est horrible. Ok, j'espère qu'on va juste pas arriver un peu trop tard sur l'intervention. Ok. J'essaye de ne pas mourir. Monsieur, pourquoi vous arrêtez au milieu de la route? Putain, c'est terrible. Ok, ouah, ça canarde. Ok, il y a l'hélico sur place. C'est lequel le véhicule qu'on doit stopper? Quoi, c'est ça? Oh non, d'accord, c'est un fourgon, ils ont dit ça. Ils sont tous armés là-dedans. Waouh. Ok, je... Les gars, je suis en pleine convalescence, moi je reprends mon service après 4 mois, s'il vous plaît, quoi. Ok, on va appeler le SWAT. Le SWAT, putain, les gars, on appelle le SWAT de direct, quoi. Génial. On va tirer sur les pneus. Mais par contre, monsieur... Putain. Ok, on va essayer de se décaler. Bon, d'accord que les... Non, voilà, la police n'a pas de grenade, hein, on est bien d'accord. Non, c'est juste pour vérifier. Oh, ce véhicule... Oh, quoi? Monsieur, qu'est-ce que c'est que... Oh, putain, c'est une collègue qui s'est fait défoncer. On va se cacher derrière le véhicule du SWAT. Attendez, ils sont là. Oh, il sort du véhicule. Ok. Ok, moins un. Ah, je suis désolé, mais là, je suis obligé de riposter. Putain, je ne sais plus viser, les gars, c'est incroyable. J'ai l'impression que j'ai bu 10 bières, là. Ok. Putain, mais je suis débile, j'ai tiré une balle en pleine tête au mec alors qu'il était en train de se rendre. Eh, les gars, bavure. Oh là là. Oh, pardon, messieurs, mais calmez-vous. Désolé, je... Pardon. Alors, lui, il se rend. Donc, on a un seul gars qui se rend pour le moment. Ils étaient 4, on est d'accord? Ah d'accord, essayez d'accord. On va peut-être appeler une ambulance, je pense que là ça s'impose. EMS, c'est parti. Ok, donc on a un suspect qui est en train de se faire arrêter par un gars du SWAT. Du RAID, pardon, putain, le SWAT c'est pas du tout en France. Oh là là, mais attendez, arrêtez-vous, roulez pas sur des corps comme ça les gars, c'est pas des choses qui se font ça. Hein. Même si c'est des gars qui ont braqué des banques ou je ne sais quoi, c'est pas des choses qui se font ça. Ok, on a l'ambulance qui devrait pas tarder à arriver. J'ai pas de quoi bloquer la route. Putain, mais c'est quoi ce bordel? On a le collègue qui vient de défoncer, putain. Eh les gars, Quoi? Eh mais mec, sérieux? Tu vas sortir de ton véhicule, je vais te le dire tout de suite. Hein. Attends, par contre, madame, sortez du véhicule. Eh, sortez du véhicule parce qu'en plus ça va me permettre de bloquer la route. Ok madame, je vais pas vous... Ok, voilà, ouais, bah c'est ça, baissez les... Oui. Mettez-vous au sol, je vous arrête. Eh mais vous voyez pas qu'il y a un putain de... Les gars, sérieux? Mais pourquoi vous m'envoyez un camion de pompiers? Mais c'est quoi, ces gars? Les gars, juste, il y a des corps, il y a pas des... Y'a pas d'ambulance avec le cortège, là? Oh. Eh, non, mais sérieux. On est censé avoir des ambulances, là, sur l'inter. C'est quoi, ce bordel? Putain, ce qui est ouf, par contre, c'est que je... Comme ça fait un bon moment que je n'ai pas repris mon service, je ne sais plus comment poser des barrières. C'est pas ça, par hasard? Oh, si, c'est ça! Oh, génial! Ok, donc, c'est bon, j'ai repris... Ah, d'accord, c'est un pompier... D'accord, oh, c'est scellé, du coup. Du coup, il devait y avoir qu'un camion de pompier qui était à dispo. Hop, par contre... Eh, mais non, mais sérieux, tu vois une barrière, tu... Il va rouler sur l'ambulancier. Mais sérieux, les gars, monsieur. Putain. Oh là là là, bon, les gars, vous savez quoi? Je vais bloquer la route. Et je vais laisser les collègues bosser. Moi, c'est bon, j'ai fait ma part. Vous m'avez gavé, hein, vous m'avez tous saoulé. On va y aller. Et on va voir si on peut pas avoir une autre intervention un peu plus calme. Bon, à la base, je vais faire des contrôles de vitesse. Mais bon, là, c'est totalement raté, puisqu'on a quitté la zone de contrôle. Bon, moi, je vais passer entre les trucs. Putain, c'est marrant. Par contre, je trouve ça m'a surpris de voir un vrai camion de pompiers comme ça. Qui s'occupe d'intervenir comme ça. Grande Zef Toto. Oh, on va pas prendre cette intervention, les gars. Moi, j'ai envie de respirer un petit peu, là. Oh, il y a plus personne sur la route. Et du coup, alors là, du coup, on est en train de découvrir une toute nouvelle partie de la carte. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Attendez, c'est...
C'est une ambulance. L'ambulance qui était censée arriver est là. Attendez, mais c'est... Bonjour. Les gars, ça va là-dedans? Non, mais c'est un modèle 3D, on est d'accord, ça. C'est pas sur la map de base, on est d'accord. C'est ouf. C'est... Et par contre, on en parle du mec qui vient de parler en anglais, mais avec un énorme accent français, là. C'est trop bien. Bon, bah, écoutez, bon bah les ambulanciers, ça leur arrive de temps en temps... Ça leur arrive de se retrouver coincé sous une route, c'est des choses qui arrivent, ça fait partie des dangers du métier. Donc, bon, on va demander aux centrales s'ils n'ont pas d'autres interventions du style... Qu'est-ce qu'il fait à contresens, lui? Du style plus calme. Ah, bah voilà, genre là, on a un suspect qui est donc recherché, qu'il faut juste intercepter, et il y a des chances que ça se passe bien, même si très clairement... Ok, c'était celui-là, le Rancher XL. Même si, bon, on le sait tous très bien, ça va pas forcément bien se passer. Ok, donc on va essayer de faire une arrestation calme. Ma voiture... Ah, d'accord, j'ai perdu un phare, donc je ne suis plus du tout aux normes pour partir sur la route, mais c'est pas grave. Très bien, monsieur. On a eu les gyros. Pas très pratique, cette double voie qui se transforme en une voie. Par contre, tu t'arrêtes, monsieur? Allez, faut s'arrêter un jour. On commence tous par s'arrêter un jour. Très bien, merci beaucoup. On va se mettre devant lui. Monsieur, s'il vous plaît... Hop là, contrôle, hop, suivez-moi, s'il vous plaît. Très bien, je vais allumer également ce magnifique insigne suivez-moi que je trouve absolument kiffant. Enfin, vraiment, je trouve que c'est énorme. Ah bon, on va se garer à côté de nos collègues en ambulance. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ça va, collègue? Qu'est-ce que... Ça va? Ouais, bon. J'avais peur pendant un instant qu'il se reprenne le poteau, là. Bon, on va se garer au niveau de cette propriété privée, mais bon, c'est pas bien grave. Enfin, ça va être grave si le mec se barre juste après. Auquel cas, ça va bien casser les... Qu'est-ce que... Les gars, sortez pas comme ça, hein. Moi je... Tu lèves les mains direct, d'accord. Genre, tu sais que t'es recherché, tu lèves... Ah d'accord, bah merci. Alors attends, je vais juste appeler un collègue. Bah monsieur, sol s'il vous plaît, vous êtes tellement gentil. Allez-y monsieur, posez-vous au sol, la neige est froide mais... Quoi? Elle est de goutte. Comment ça il a un couteau lui? Putain non non non, hop je me casse, je suis un gros lâche. Salut. Alors laissez-moi prendre mon taser. Messieurs. Oui, c'est ça. Ne sautez pas la rambarde. Je vais juste monter sur le toit de votre voiture. Faites comme si ne rien n'était, ok? Hop, moi je... Non, non. Là, par contre, voilà, très bien. Messieurs, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Baissez vos armes. Qu'est-ce que tu... Non, non, tu t'en vas pas, par contre. Attends, attends. Toi, tu t'arrêtes. Voilà, les mains en l'air. L'autre, il prend pas... Il fait quoi? Il est chaud, le mec? Mec, voilà, tu te calmes. Je vais appeler un collègue, par contre. Hein. Mais putain de merde! Mais tu... Qu'est-ce que... Les gars, vous faites rien! Mais les gars, vous voyez pas que je me fais tabasse par un mec? Bon, attends, monsieur. Tu te mets sur le sol, tu te calmes immédiatement. Ok, mec, s'il te plaît, au sol, ok. Bon, mais mec, arrête de faire ton rebelle, là. Tu te poses au sol immédiatement. Tout de suite. Allez, voilà, merci bien. Ok, bon, on va respirer un petit peu. Hop, je vais juste te mettre les manottes. Bon, les gars, coupez vos sirènes, c'est bon. Les gars, la situation est sous contrôle. Tout va bien. Alors, du coup, R1, on va t'arrêter. Bon, les gars, vous arrivez juste un peu en retard, mais c'est pas grave, on vous aime toujours, hein. Donc là, je viens d'appeler une unité de transport, histoire de choper notre très cher R1. Et maintenant, on va faire l'arrestation de ce monsieur. Monsieur. Quoi? D'accord, tout va bien. Je suis pas du tout dans un... Tout va bien. Marc Adams, vous êtes en état d'arrestation pour la même chose que votre collègue, c'est-à-dire... Qu'est-ce que vous aviez, vous, déjà? Ah oui, vous étiez recherché. Donc voilà. Et vous êtes génial parce que vous avez levé les mains, mais en fait, c'était un leurre. Vous êtes vraiment méchant. Très bien, bon du coup normalement on devrait avoir des unités de transport qui sont là-bas, qui devraient pas tarder à arriver. Je vais laisser les collègues gérer puisqu'ils ont l'air vraiment de beaucoup aimer le coin. Surtout lui, il a vraiment envie d'aller voir ce qui se passe là-bas, mais il a du mal. Ah c'est, faut le comprendre, hein, c'est pas tous les jours facile. Messieurs, me suivez pas s'il vous plaît, contentez-vous de vous mettre à genoux. À genoux s'il vous plaît, à genoux s'il te plaît. Tu vas y arriver, je sais la neige est froide. Allez, tu vas y arriver. Tu peux le faire. Tu peux... Voilà, merci, GG à toi. Du coup, nous on va filer. Ah non, je vais appeler une remorqueuse pour ce véhicule. Hop, tranquillement, tow truck. Ok, oh j'ai accepté l'intervention. J'aurais pas dû faire ça. J'ai accepté quoi là? Un autre... Non, non, mais j'annule l'intervention les gars. Moi non, je... Ah non, attendez. Cancel EMS. Non, bah pas l'EMS. Ah, je peux pas... Ah si, on call. D'accord, je dis au central que je suis pas prêt moi les gars. Je suis pas prêt pour ça. Ok, donc le Rancher XL a été chopé par la... Qu'est-ce qui... Attendez, les gars, je tourne le dos 30 secondes et vous trouvez le moyen de... Ouais, c'est ça, fait genre qu'il s'est rien passé. Et qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce qui s'est passé, là? Comment elle tient en équilibre, cette voiture? Ah, d'accord. Elle est possédée, cette voiture, d'accord. Ah, elle est posée sur sa porte, d'accord. Eh, mais c'est quand même génial, ce qui se passe dans cet épisode. D'accord.
D'accord, bah tout va bien. C'est bien, c'est fidèle aux épisodes français, c'est bien, on n'est pas dépaysé avec ces histoires. Ah, on a un collègue mort aussi, d'accord, le collègue il est mort, on sait pas comment. Très bien. Pardon, excusez-moi, on a toujours l'ambulance là-bas, hein. On a toujours l'ambulance ici, qui vraisemblablement est bien implantée dans le coin. Ok, bon, les amis, ce qui va se passer, c'est que je vais couper les gyros et on va couper l'inter. Eh les gars, mais moi je m'en vais, hein. Je démissionne immédiatement, je vais reprendre mes 4 mois de pause là, parce que moi je veux pas revenir dans ces conditions de travail. Donc du coup les amis, je pense qu'on va s'arrêter là, je pense que l'épisode n'est peut-être pas très très long, mais je pense que c'est déjà bien pour un retour. Je compte faire quand même un petit peu plus de vidéos depuis, maintenant que je suis revenu, et cela implique de temps en temps de faire des épisodes un peu plus courts, mais comme ça permet d'en avoir bien plus souvent. Et donc les amis, je vais m'arrêter dans ce petit spot ici, bien tranquille, pour vous parler d'un petit truc important. Faut savoir que d'ici très bientôt, je vais organiser un stream sur Forza Horizon 4. Et ce stream, en fait, consistera très simplement à faire des polices versus voleurs, avec que des vraies personnes, que des vrais joueurs. Donc en gros, bah, moi je serai par exemple le flic, et vous, l'un d'entre vous, pourrez être le voleur. Et pour ça, du coup, il faut du monde, et c'est pour ça que je fais un appel aux abonnés. Histoire que si vous êtes tenté, que vous avez Forza Horizon, que ça soit sur PC, sur Xbox, ou même sur GameCube, sachez que... Alors je vais juste me mettre indisponible pour les appels. Sachez que, ouais, du coup, vous pouvez venir. Alors c'est très simple, il vous suffit de rejoindre le Discord, qui est donc dans la description. Vous rejoignez le Discord et d'ici quelques jours je ferai une annonce annonçant la réouverture des recrutements et ainsi que l'annonce de l'arrivée du stream. Comme ça tout simplement on pourra faire un énorme live ensemble sur Forza Horizon 4 et je pense que ça peut être marrant et puis globalement on pourra discuter sur Discord et je pense que ça peut être quelque chose d'assez agréable. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est en description. En plus de ça il pourrait y avoir des petits concours dans les jours qui viennent, donc voilà, moi je dis ça, je dis rien, hein, ok. Donc du coup les amis, je pense qu'on va se laisser là. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Merci à tous d'avoir attendu ces 4 mois sans activité et sans particulièrement beaucoup de nouvelles, mis à part sur Twitter. Et du coup, sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur LSPD et sur tout, en règle générale. Puisqu'il faut savoir que j'ai pas mal de petits projets en tête. Hop, on traverse les poteaux, hein, tout va bien. Et voilà, les amis, je vais vous laisser là. Merci pour tout et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde. Ciao, ciao.